Oh, petit chat! Allez, du coup. Alors, je peux fabriquer plein de choses, des appâches, des cabanes. Oui, on peut faire du recyclage pour la Des pêche aussi. cabanes. Ouais. Ah, ben ça, c'est malin, ça. On a Comment tu bloqué viens un de buisson. trouver Alors, attends. Ouais, j'ai vu. Il te faut 10 bois, je l'ai dit. Machine de recyclage. Un lingot de fer. Et de la pierre, bien sûr. Alors, je voulais poser des choses. Non, c'est pas ici, c'est ici. Les mines, tu as l'esprit d'aventurier, tu es 10 slim. Tu auras ta place dans ma guilde d'aventurier. Marlon. Ah, faut que j'ai 10... 10 slim, 10 pantalons. Bonjour. Alors, ça je le mets là, ça je le mets là, ça il m'en faut que 10. Ok. Ben c'est combien qu'elle m'avait dit la madame qu'elle veut? Algues vertes. J'ai remis des patates. Ah, pourquoi le bois il est là? Algues vertes, le slime, la fournaise, Porco. La mine. C'est ça. Attends. Construisez une fournaise. 20 de cuivre. 25 de pierre. Tu veux pas me dire que tu dois reconstruire aussi une fournaise? Bah, genre. Pour la quête, il faut que j'en fasse une. Ouais. Je ne suis pas encore attardé sur les. Non, mais c'est pas plus mal parce que c'est un peu chiant de faire cuire des lingots. Donc, J'arrive trop tard pour prendre la quatrième place. Alors, Yakipon, tu peux venir en vocal. Faut voir avec Ando. En fait, il y a Ando qui a voulu nous rejoindre, mais ça n'a pas fonctionné. Il a fallu péter la cabane où tu étais. Donc, en gros, va falloir que. Toi et Ando, vous alliez dans un octogone et on regarde qui c'est qui gagne. Voilà. Mais vu que Ando vient de partir en urgence, parce qu'apparemment il y a quelque chose qui a explosé chez lui. Il s'est battu avec la vaisselle, je crois. Déjà. J'ai envie de dire. Non, puis y a un problème aussi, Yaki, c'est que je crois que ton personnage a été effacé, donc ça veut dire que les levels que tu as pris en compétences aussi. Oh merde! Oui, ça va être le problème, c'est que s'il y en a un de vous deux, si vous voulez participer tous les deux, à chaque fois que vous allez revenir l'un ou l'autre, vous allez vous écraser mutuellement, et vos persos avec, donc vos levels avec. J'avoue. Ah mince, c'est de la pierre qu'il faut, c'est pas du bois. Oh. En gros, faut choisir quoi, qui c'est notre quatrième. Il ne pourrait y en avoir qu'un. Bah, là, comme ça, je vais me dire Yaki parce que c'est vraiment, il connaît le jeu et ça nous fait avancer. Il va juste devoir refaire ses niveaux. Bon, après, il a joué une soirée, quoi. C'est pas comme s'il était level max. Oui, voilà, oui, avec c'était. Max. Disons que ça aurait fait 10 streams, oui, là, clairement. Voilà. Mais bon. Oui. Ça se refait une soirée. Mais c'est vrai qu'il faut prendre ça en compte aussi, c'est qu'on peut switch les gens, maintenant on sait comment faire, mais... Mais ça réinite tout quoi, c'est ça le truc. Ça réinitialise tout, ouais. Il y a plein de minerais là-bas, le côté... C'était combien? C'était 25 de pierre, hein, c'est ça? Oui. 20 cuivre, 25 de pierre. Ah oui, d'accord, il est en train de démolir la maison en fait. Personne. Il y a un truc qui s'est décroché. Mais quel truc? L'abat-jour, il m'est tombé dessus. T'as tout dit? T'arrives à le mute sur Discord? J'arrive, j'essaye. Tu veux que je fasse? J'arrive pas à move. Je crois. Pourquoi je peux pas move? Non, pas obligé de move, juste tu fais un mute. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok. C'est vrai que... t'as quand même piqué tous mes cailloux, toi. Voleur de cailloux, là. Je veux pas de quoi tu parles. Ah oui, je voulais... Du coup, faudrait que je descende voir au poulailler, on avait dit. Du coup, on attend qu'Ando revienne pour voir ce qu'on fait entre Ando et Yaki, c'est ça? Ah, on va lui dire qu'on va prendre Yaki, au final. Parce que s'il faut à chaque fois réunir, je préfère garder... Excusez-moi, mais je préfère garder Yaki qui a l'expérience et on sait qu'on avancera. Quoi. Ando, oui, on... Deux,
En doute, tant pis, on jouera en off. Le plus présent. Ah bah Yaki. Ouais. Il sera pas là tout le temps, hein, c'est comment. Non mais voilà, il y a aussi ça, il y a aussi le présentiel. Après ça, quitter la mine. Ça, de base, c'est notre aventure à tous les trois. Yaki a dit qu'il serait là ponctuellement pour nous aider. Il serait pas là à chaque fois. Okay. Donc c'est pour ça, là comme ça. Donc, a priori, Gunter a la clé des égouts. Ouais. Le mec de ouais, la ouais. Musée. Et mais je sais pas comment. Ah, tu as la cinématique ça doit des égouts être une récompense. Ouais, ça doit être okay. Une récompense pour un truc comme ça. Alors, les égouts, dès qu'on y a accès, j'y fonce. Hein. Je sais pas ce qu'il y a, j'y suis jamais allé. Il y a. Non, je vous dis pas. Je vous découvrirai pour vous. Il y a. Bah, c'est fantomatique, c'est très spirituel à ce niveau-là. Oh. Ah, oui. Là, t'es sur c'est la genre les. Ok. Là, tu vas trouver les fantômes et autres. Autre truc magique du jeu. Ah, il faut de la fibre. Alors attends, magasin d'alimentation. Non, mais Yaki, tu nous embêtes pas, tu rigoles ou quoi? Non, bah tiens, regarde, justement. Parce que là, de toute manière, il faut qu'on reconstruise une cabane. Donc, à choisir. On a le choix entre trois cabanes. La maison en pierre, la maison en bois et en fibre, donc elle est connectée, ou la maison en bois tout court. Sachant que sur moi, j'ai du bois et de la pierre, j'ai pas la fibre. Donc, on peut là maintenant choisir la pierre ou le bois. Choisissez, votez, éliminez le maillon faible. Alors, pas du tout de rapport, mais tu peux regarder pour un poulailler, s'il te plaît. Je vais regarder. Je réponds sur Discord. Moi, je suis là où on achète les animaux, mais pas là où on achète les bâtiments. Oh merde, faudra leur mettre un radiateur en hiver, ça coûte 2000 PO. Alors, le poulailler. Poulailler, 4000 pièces d'or, oh, 300 de bois. 100 de bière, oui, bien sûr. 100 de pierre. Écoute, c'est bon, la pierre. Attention, par contre, ne peut abriter que 4 animaux. 4000 d'argent. 4000 d'argent, 300 de bois, 100 de pierre. Va falloir pêcher, les gars. Ouais. Ah, va falloir pêcher. Et oui, Yaki, on est d'accord sur cette histoire de nombre de joueurs. C'est bizarre. Mais du coup, à choisir sinon la cabane en pierre ou la cabane en bois. On a. Imra, toi, ta cabane, elle est comment? Je crois qu'elle est en bois. En bois? Ça fait trop de bois. Mais très bien, une en pierre. Allez. La mienne est en pierre. Puis au moins, on la distinguera. La mienne est en pierre. Bah attends, tu sais quoi? Je vais me faire des voisins. Tu vas faire des voisins? Ouais. Tu vas coller sa maison à la tienne? Pouf! Ah! Oh, waouh! Mais je t'avoue que j'aurais bien mis le poulailler là! Ah, mais. On verra, on déplacera, ça se déplace les bâtiments. Ouais, mais pour l'odeur, tu comprends! Ouais. La transmission tu préfères, des. Tu préfères Yaki que les poules ouf, hein. Quoi! Ah, bah. C'est bien pour Yaki hein, dans certains sens! Mais juste comme ça, IRL, vous êtes déjà rentré dans un poulailler? Ça pue. Hein. Un poulailler, vraiment un bon poulailler. Il y a au moins 20 poules. Je suis jamais rentré. Il y a une odeur dedans, je vous dis pas. Ah bah, les animaux. Hein. Mais même à côté de ça, les cochons, les vaches, ça sentait mieux quoi. Oh, y a qui tu te sens juste à côté ah, de toi, je sais pas. Quoi. Qu'en vrai, les big cats et t'as tout ça. T'as la maison privilégiée hein. Là. Ah, y a qui en échange de baraque. Y a qui vient nous voir. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Ah, j'ai ramassé le tapis, Yek. Ah, pardon, j'ai piqué le tapis. C'est bon, ça se voit pas. La la la. Allô. Ah. Allô. Allô. Oui, pardon. Non, à l'huile. Excuse-moi, c'est pas si. Ah, mais c'est la lampe qui est à l'huile. Ah, c'était vrai. L'histoire de multi, c'est vraiment très bizarre comment ça a été géré. Ouais, ouais. Parce que ce que vous me dites, bah oui, ça, en fait, vous avez raison. C'est. Tu dois construire une maison pour chaque personnage. Mais attends, est-ce que. Ah, parce que quand il a voulu rejoindre, ça pouvait pas parce que toutes les baraques étaient prises, c'est ça? C'est ça. C'est 3 max en fait, en plus de l'eau. C'est 3 chaud. Max en plus de l'autre, et si ça tu veux inviter beaucoup, quelqu'un, hein. Faut détruire la baraque. C'est ça. Donc ça détruit son perso, et là tu peux inviter quelqu'un.
Parce qu'à la base, on partait sur 4 joueurs, mais ça pouvait être n'importe qui, mais pas en même temps. Enfin, on pouvait parler plus en même temps. Oui. Et au final, non, c'est vraiment 4 joueurs fixes. Bah alors, comment on fait? Parce que moi, je veux pas. Je veux pas embêter Ando avec ça. Non, mais Ando, de toute façon, il viendra pas. Il a eu un souci, puis à ce moment-là, il viendra pas. Bon. Bah, comme vous le sentez. Ouais. Allez, connecte-toi. Oui, lance-toi. Ouais, vas-y. Ouais. Let's go. Bon, ok. Si vous êtes parti pour refaire ton perso. Bon, c'est pas trop grave, j'avais fait que de la pêche, mais. Oui, mais du coup, ça, comme ça, on saura comment ça se passe exactement. Vu que tu vas devoir refaire, tu nous diras, comme ça, on le saura. Oui. Ah, j'avoue, hein. Donc, coop. Ah, mince, il faut que j'aille choper ton code avant. Canal stream. Ouais, j'ai vu. C'est incroyable. J'ai bien bossé sur les VOD aujourd'hui. Oui, j'ai vu. Tché. Même si YouTube était pas très très logique dans ce qu'il a fait. Oui, j'ai pas compris, mais bon. J'ai pas compris non plus. Ouais, ça. Alors, la ferme célébrité. Ouais. La seule unique. Et mais du coup. Ah, Yakipon nous a revenu. Ok. Non. Yakipon, la chose préférée. Link. Allez, on refait les choses. Mais du coup, vu que c'est la ferme célébrité, si on devait être une des célébrités qui a participé à la ferme célébrité, on serait qui? Jordi. Alors là. Toi, tu serais Jordi. Moi, je serais l'autruche. Elle est encore plus célèbre que les autres. Je sais même plus qui l'a fait. Il y avait Pascal Olmeta, il y avait le jet setter Massimo Gargia, Vincent McDoom, celle qui a la phobie du beurre et qui avait fait les Jim Tonic là. Gilbert. Non, pas Gilbert. Elle est blonde, vieille. Je m'en souviens pas. J'ai oublié son nom. Blonde et vieille. Elle avait présenté Jim Tonic. Il y en avait que deux, de toute façon, c'était l'une ou l'autre. Mince, il est 23h. Il y avait Philippe Risoli. À moins qu'ils disent oui, il y a quelqu'un qui dort pas et c'est moi. Et là, ça va être chiant. Parce que j'essaie de trouver des choses. Oui, il compte 4 joueurs là au lit. Merde, j'arrive vite. Bah, t'inquiète, je suis pas encore arrivé. Comment on fait pour mettre des trucs dans la fournaise? Il faut du charbon. Parce que j'ai 2 charbons sur moi. J'ai du charbon et du cuivre. Faut mettre un or. Enfin. Le minerai en français. Ouais, mais j'arrive pas à interagir avec la fournaise. Tu sélectionnes le minerai que tu veux faire cuire dans ton inventaire et tu cliques, tu vas voir, quand tu vas passer ta souris dessus, ton icône va changer normalement. Mais pour ça, il faut bien que tu aies du charbon et le minerai sur toi. Ouais. Ah non, mais j'ai les deux sur moi. Normalement, je suis dans le ligne. Mais c'est bien parce que vu qu'on a recréé un truc, j'ai les 15 graines de panais. Ouais. Ah ben. Ouais. C'est pas ça. Tu vas pouvoir les planter. J'avoue. Bon allez, je dors. En plus, t'es juste à côté de chez Jay. Mais quel bins alors. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas au moins sauvegardé les personnages quoi. Ouais, désolé. Tu vas être complètement fatigué. Oulala. Ah, miaou. Merci mon tapis. C'est qui pas au lit? Moi, mais je pousse le chat, sinon j'ai pas accès au lit. C'est vrai. Le mec est vraiment RP, tu sais. Allez, tout. Allez, fille, je vais. Mais non, mais il me bloquait vraiment le passage, il était au pied du lit. Putain. Tu sais qu'elle a réussi à aller se coucher en toute sécurité. Ouais, niveau 2 d'extraction minière. Ouais, niveau 0. Ah bah dis donc. Au moins tu peux que progresser, hein. Ah bah là oui.
Je sais très bien ce que je vais faire. De la Je vais pêche. planter mon panier, l'arroser et pêcher.